Je remonte. Si j'y arrive. On aura le temps de le tuer. C'est bon, il est mort. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Raft pour le 8ème épisode, si j'ai pas de bêtises, sachant que je vais commencer l'épisode solo pour les 10 premières minutes environ, on va dire. Je vais en profiter pour farmer un petit peu justement les différentes ressources qui nous manquent pour pouvoir continuer et pour ensuite continuer en compagnie de Kilira. On ira sur l'île Balboa Island, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Enfin, à vérifier, mais vous avez compris, la prochaine île d'histoire où il y aura des choses intéressantes aussi à débloquer. En attendant, justement, je voulais profiter d'être solo pour regarder. Il y a des gens qui m'ont posé la question, et question très pertinente, je trouve, de savoir si le nouveau personnage qu'on a débloqué, alors déjà, il est ici, vous voyez, il est bien débloqué, donc on peut la jouer directement si jamais. Bon, je vais garder mon perso, je pense, parce que j'aime bien, mais on verra dans les prochains. On verra selon qui c'est qu'il y a. On m'a demandé si... justement, le personnage n'aurait pas des compétences spéciales. Alors, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, effectivement, de vérifier. En tout cas, sur le jeu, on n'a pas l'information. Comme vous voyez, on peut juste changer la tenue. Il n'y a pas d'infos. Donc, je pense que c'est juste du skin. Ça doit être que de l'apparence. Mais honnêtement, c'est pas une certitude. Mais il n'y a pas l'information incorporée dans le jeu, a priori. Bon, en attendant, d'ici son arrivée, j'ai prévu pas mal de choses malgré tout, donc écoutez, je vais commencer à farmer de mon côté, et je pense que je vais faire pas mal d'ellipses pour vous montrer les différentes choses aussi que je vais vous montrer avant de passer à la suite, pour revenir aussi sur certains commentaires, certaines astuces ou quoi. Donc voilà, on va voir tout ça, et puis également je vais améliorer un petit peu le radeau justement, donc je ferai la visite une fois que j'aurai pu le faire, parce que là il va falloir que je farme un petit peu de ressources avant, bien sûr. Mais voilà, je vous dis, on va voir tout ça pendant les 10 premières minutes jusqu'à ce qu'on aille du coup sur la prochaine grosse île. Ah, il y a le requin qui attaque, je crois qu'il est bientôt mort, donc on va faire un test aussi. Ok, le requin c'est pareil, on m'a dit, alors je vais peut-être déclencher l'encre, quoique je vais pas bien vite à mon avis. Ouais, je pense que ça devrait le faire honnêtement. On m'a dit le requin de prendre que les 4 parties de viande et de laisser la tête du requin. Et effectivement, ouais, la tête, c'est vrai que c'est le dernier truc qu'on loot, donc c'est pas bête du tout. C'est vrai que c'est une bonne petite astuce qu'on va essayer d'utiliser à l'avenir, puisque ça permet de laisser le cadavre du requin et donc de faire en sorte qu'il repop dans plus de temps. Ça nous laisse plus de marge aussi pour pouvoir farmer tranquillement de notre côté. Donc ça, c'est pas bête. En même temps, il y a un truc que je voulais tester. Voilà, c'est ici au niveau des graines. D'ailleurs, j'étais en train de prendre de l'eau quand le requin est arrivé. Au niveau des plantations, on m'a dit aussi d'essayer de mettre les plantations à l'intérieur d'un bâtiment de manière à ce que les mouettes ne puissent pas venir. Alors dans ma tête, je me suis dit qu'il fallait peut-être, vous savez, du soleil aussi pour que ça pousse. Mais apparemment, vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça, ça revient. Donc je pense que si c'est un commentaire qui revient, c'est que ça doit être véridique. Le seul truc, c'est que là, pour le moment, on n'a pas d'endroit qui est réellement fermé, puisque ici, c'est à moitié fermé et c'est full ouvert ici. Là c'est pareil, en fait c'est juste des demi-murs, donc c'est pas vraiment fermé. Donc j'ai aucune idée de si les mouettes peuvent passer quand même par là, par l'ouverture, ou si elles vont s'arrêter sur le toit. Donc on va faire déjà un test en les mettant ici, pour ne pas avoir à faire une nouvelle pièce. Mais sinon on essaiera bien sûr de faire une autre pièce, parce qu'on m'a aussi dit de remettre, vous savez, l'épouvantail. Mais vu qu'il s'est fait manger la dernière fois, honnêtement je suis moyennement serein. En tout cas je suis pas très sûr que cette idée fonctionne très bien. Donc... si à chaque fois qu'on a le dos tourné, vous savez, ça casse le mannequin, autant ne pas le refaire et trouver une autre solution. Je pense que ce sera plus intéressant, même si ça coûte pas très cher à faire. Donc voilà, on va faire ça. Ensuite, on verra. Alors oui, au niveau des recherches, hein, on m'en a parlé. En réalité, il reste des recherches donc à faire, mais rien de bien important non plus. Alors là, il y a la ruche, mais il nous faudra un pot d'abeilles. Donc ça, c'est ce qu'on fera sur la prochaine île pour avoir du miel et donc pour faire le biocarburant. Je crois que c'était à base de miel aussi. Il y a les jumelles, effectivement, qu'on peut débloquer avec la bouteille vide. Mais pour les bouteilles, vous savez, il faut des substances visqueuses. Je crois que j'en ai pas des masses d'avance. Et le truc, c'est que pour le moment, on n'a plus de bois pour faire chauffer et tout. Donc là, bon, je vais le faire de toute manière dans pas très longtemps, c'est prévu. Il y a effectivement la bouteille d'oxygène aussi à débloquer avec. Là encore, ce sera utile, mais bon, on va pas l'utiliser de suite non plus dans l'aventure. Ce sera pour plus tard, donc c'est pas trop grave. Sachant que, encore une fois, je trouve que les duras de la plupart des items descendent trop vite. Donc je préfère économiser en fait ce genre de choses pour les moments où on en a réellement besoin. Par contre, ce qui est intéressant, ce sera les crafts qu'on aura plus tard, mais pas de suite. Déjà, le filet de récupération avancé, je ne connaissais pas du tout. Apparemment, il faudra un lingot de titane. Je savais même pas que ça existait, mais pour avoir ça.
Il y a le sac à dos qui serait intéressant, mais il va nous falloir de la laine et donc essayer de tame un lama pour avoir ça. Bon, le miel, du coup, avec les rayons de miel, ok. Baume de guérison avec des œufs. On a le casque en cuir avec de la laine également. Et puis toute l'armure en fait en cuir avec de la laine. Donc en fait, sans laine, pour le moment, on peut pas utiliser le cuir qu'on a. Parce que là, pareil, certaines personnes nous ont demandé si on pouvait pas faire un truc avec le cuir. Donc si, effectivement, mais on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour, quoi, en fait. Donc voilà, donc là je pense que je vais devoir. Ah si, on a un peu bougé, mais du mauvais côté en fait, je me rends compte. Ok. Est-ce que l'ancre est levée? Lâché, ok. Je suis un peu à contre-vent en fait, là où je voulais aller vers l'île, mais du coup, je pense que je vais essayer avec les moteurs, mais je pense que j'aurai pas assez de carburant pour aller jusqu'à l'île où je veux aller. On va quand même retester les moteurs en vidéo, tant que j'y suis. Mais au début, vu que c'est avec les planches, et justement, on s'était arrêté sur le fait qu'on manquait un petit peu de planches, les amis. Donc je voudrais aller sur cette île là-bas. Je veux pas aller à celle de droite parce que c'est une île qui est assez grande et donc on trouve pas beaucoup de métal facilement. Parce que le métal est plus en profondeur. Donc ce serait plus simple une île comme celle de là-bas en fait. Une île un petit peu plus petite où on peut faire le tour plus facilement pour farmer. Voilà. Ah, sachant que j'aimerais bien aménager aussi cette partie-là. Là tout autour ici, j'aimerais bien faire. Bah vous voyez au niveau des. Alors les meubles c'est là. J'aimerais bien faire voilà un système de canapé et tout ça, mais bon. Il me faudra juste un petit peu de ressources. En vrai, c'est pas très cher. Faut juste que je reprenne une ligne de ressources et ça va le faire. Et faire un petit truc en dessous. Et en même temps, en profiter. Parce que pareil, bien, tant que je vous tiens, on en parle. On m'a parlé aussi des lits. On m'a parlé du hamac. Le hamac qui apparemment aurait un moins gros malus. Voire pas de malus du tout pour la nourriture et l'eau perdue. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que là-dessus, il y a juste marqué que ça permet d'avoir un bonus de santé en réapparaissant. Ce qui est déjà bien hein, par rapport au lit simple. Mais ça parle pas d'un bonus au niveau de la nourriture. Et le lit, apparemment, il y a un petit peu la même chose que le hamac si on lit, donc peut-être que je ferai des lits ou quoi. On va voir ça. Oula, attendez, parce que là. Eh, faut tourner quand même là. On va tourner, on va tourner. La petite île ici. Franchement, c'est agréable, hein, par contre, de piloter avec le moteur. C'est pour ça que je vous laisse un petit passage avec aussi, parce que je trouve ça assez cool. Et pareil, prochain requin qui repop, je pense qu'on va tester de tirer des flèches dessus, puisqu'on m'a parlé de la strat du tir des flèches dessus, comme quoi c'est un peu comme. Ah, ça y est, je crois qu'on a plus de carburant. On m'a parlé de cette strat qui serait un petit peu comme le fait de le taper, vous savez, au bon timing pour pas qu'il nous touche. Bah, c'est pareil, apparemment, si on lui tire une flèche dessus pendant qu'il nous attaque, ça permet de ne pas prendre de coups. Donc, on va voir si ça fonctionne, on va faire le test. Ça, on va tout désactiver. On va jeter l'ancre. Et on verra ça. Et du coup, par la même occasion, vu qu'on va refermer du métal, on va essayer de se faire des flèches en métal, je pense. Vu qu'on a pas mal de plumes, de toute manière, pour se faire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un truc à farmer là-haut, vite fait? Hop. Ouais, ça, la petite caisse ici. Après, c'est pas super important pour le moment. Il y a le bois là-haut qui va m'intéresser. Ok, et après ça va être d'aller en dessous directement farmer. On va remettre à chauffer un petit peu aussi. Hop. Ça, on restock là. Alors est-ce qu'il a repop le requin déjà ou pas? En même temps, je vais en profiter, je vais aller chercher un petit peu de ressources là-bas. Bon, il va faire nuit de toute manière, je vais. Peut-être pas passer puisque on va faire une petite ellipse ici, donc je vais profiter de la nuit moi pour farmer tranquillement, je pense. On fera le test contre le requin dès qu'il repop, juste par curiosité justement pour voir si c'est difficile ou pas à tuer vu qu'on récupère les flèches, ça devrait aller. Après le seul problème c'est que ça va casser la dura de l'arc et l'arc il faut quand même un de métal aussi pour le réparer. Donc mine de rien, bon le métal on en a pas des masses donc c'est aussi pour ça que j'aime bien économiser certaines choses encore une fois par rapport à la dura. S'il y a une dernière chose que je voulais vous dire, tiens il me semblait aussi. Un dernier truc qui revenait aussi dans les commentaires, et vous avez raison, mais attention quand même de se rendre compte de combien ça coûte, c'est que si on fait les fondations armées, vous voyez, en fait ça améliore donc des fondations, et ça permet apparemment que le requin ne puisse pas les manger. Donc ça permet de sécuriser le radeau, vu qu'il est grand, on en met partout autour, et c'est nickel. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont dit, ouais, faites ça comme ça, vous êtes sûr que vous êtes safe et tout. Les gars, n'oubliez pas une chose, c'est que bah, pour ce faire, il faut un de métal. Par fondation. D'accord? Là, à l'heure actuelle, on a à peu près 17, un peu plus maintenant. On va arrondir à 20 fondations sur la longueur. D'accord?
Donc, vous avez compris, ça nous ferait 80 lingots de métal juste pour sécuriser, plus tous les clous. Donc, concrètement, c'est un peu impossible à faire hein, avec la taille de notre radeau, donc non, on va pas le faire, quoi. Mais voilà, sinon, dans l'idée, effectivement, ça fonctionnerait. Ok, bon, en fait, le requin a déjà repop. Alors, je me suis un peu fait avoir parce que j'ai voulu relancer le record. Donc, j'ai laissé m'approcher. Voyons voir. On va voir quand il va me réattaquer. Ok, effectivement, là il m'a pas touché. Après, la question c'est est-ce que je le tue assez vite ou pas? Parce que là, l'idée ce serait de le farmer en fait, de le tuer pour récupérer mes flèches par la suite. Alors, soit ça, soit juste de lui tirer des flèches à chaque fois qu'il va m'attaquer. Donc, essayer de farmer, switcher, lui tirer des flèches, etc. Le problème c'est qu'il réattaque quand même assez régulièrement, regardez. Voilà, là il va réattaquer. Quitte à récupérer les flèches. Je vais réessayer à la lance du coup, par la même occasion, ce sera le test. Je suis désolé, je sais que c'est un peu sombre sur YouTube quand il fait nuit comme ça, mais. Ok, là j'ai dû taper un chouïa trop tard. D'ailleurs, je l'ai même pas touché, il me semble. S'il m'a attaqué. Ah, ça marche, hein, vous aviez raison. Bah, merci pour les astuces en tout cas. Ça, c'est vrai que c'est un truc que je connaissais pas. Je sais que je l'avais jamais fait alors que bah, pourtant j'ai beaucoup joué au jeu. Je savais pas qu'on pouvait le cancel comme ça. Bon, bah maintenant je sais. Donc, effectivement, à la lance, ce sera peut-être moins cher que de gaspiller l'arc. Quoique, je sais pas trop. Ouais, en fait, ça se fait largement une fois qu'on a compris le timing. Ah, mais du coup, ça veut dire que je peux le tuer quand même assez vite. Et être tranquille pour farmer encore. Ah ouais. En plus, après, je peux le suivre un peu comme ça. C'est pareil, il faudrait que je m'en refasse des palmes. Je pense qu'on va refaire des palmes. Ouais, bon, par contre, faut pas que je. Je pense qu'on va refaire des palmes et une bouteille d'oxygène de toute manière d'avance pour quand on en aura vraiment besoin. Mais c'est pareil, je veux pas trop les utiliser parce que on connaît. Il est mort? Mais non, il est déjà mort. Vous avez vu, il était full life hein, parce qu'on venait de le tuer avant. Franchement, ça l'a tué assez vite. Au niveau des flèches, par contre, j'en ai perdu un petit peu. Attendez, parce qu'il y en a là. Est-ce que je vais les récupérer quand je vais récupérer. Ah, mais il faut peut-être que je récupère toute la carcasse, non, pour récupérer les flèches aussi. Attendez, je vais juste récupérer. Ouais, regardez, c'est pour les flèches que j'ai fait ça. Donc la strat du coup est ruinée parce qu'il va repop bientôt, mais au moins j'ai récupéré toutes mes flèches, donc c'est quand même bien. Ok, ben merci beaucoup encore une fois pour toutes ces astuces. On aura eu l'occasion, vous voyez, de les tester un petit peu comme ça en ce début de vidéo. C'est assez cool. Maintenant, c'est parti pour farmer. Bon voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près ce que je voulais en termes de farm. Alors maintenant, il me manque juste à continuer de récupérer les ressources basiques pour re-remplir les coffres, histoire qu'on ait un petit peu de rab sur les ressources assez simples, on va dire, les ressources de base. Mais voilà, au niveau du farm de métal, des algues et tout ça, c'est fait. J'ai un petit peu amélioré le radeau et du coup, je vous fais une petite visite. Alors, très rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose en soi. D'ailleurs, franchement, hein, je continue de le dire, ces petites guirlandes de nuit, ça fait tellement beau. Il y a le requin qui mange, non? Il y a le requin qui mange là-bas, là, je pense que trop tard. Hein. Ouais, trop tard. On va réparer. Réparer, voilà, on va refaire ici. D'ailleurs, merci pour la strat aussi de la molette de la souris pour réparer. Ça fait gagner un petit peu de temps. Mais ouais, non, franchement, ces guirlandes de nuit, vous les aviez vues de nuit la première fois. Franchement, elles sont très très stylées. Même de jour, ça va, mais franchement, de nuit, ça ressort trop bien. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi en commentaire eh, je comprends pas, normalement, le plastique, vous êtes censé en avoir plein à votre stade du jeu et tout. C'est vrai, mais je pense que c'est sans compter justement le prix des guirlandes. Regardez, c'est 8 de plastique, la guirlande. Donc autant dire que même si on en a plein, deux guirlandes, ça enlève quasiment un stack déjà. Donc ça va vite, hein. Ça va très vite quand on place des décos, je vous assure. Alors du coup j'ai fait cette nouvelle pièce ici. C'est une pièce purement esthétique, mais au moins ça se fait, voilà, ça permet de remplir un petit peu en dessous de là où il y a les animaux. Et regardez, je posais une petite table avec le petit bouquin ici, les livres, la pile, le canap. On est bien, le petit canapé en L comme ça, on peut s'allonger tranquillement, on est trop bien. La cheminée, je me suis dit que, vu qu'on avait déjà mis une lanterne, vous savez, là, pour y voir durant la nuit et tout, et puis même pour l'effet de style, hein, ça aussi se fait être très beau, les jeux de lumière, eh bien, pourquoi pas changer? Donc ici, j'ai mis une cheminée en me disant que vu que c'est une pièce fermée, c'est un peu plus cosy et tout. Donc la petite cheminée et le lit à côté, qui est un vrai lit, donc je trouvais qu'il passait très bien ici. Là, le calendrier aussi, hein, jour de survie 36. Et regardez là-haut. Regardez là-haut, j'ai rajouté le petit hamac également. Voilà. Toi, je vais récupérer tes petites plumes. Alors d'ailleurs, en parlant de ça. Hé, toi. Merci. En parlant de ça, ici, j'ai l'impression qu'ils ont picoré peut-être là. Je crois que j'en avais planté un, mais les petits, ça n'a pas l'air d'avoir été touché.
Donc il y a moyen que ce soit une semi-victoire à ce niveau-là. Ça fait plaisir. Bon là, beaucoup de ressources, c'est le côté satisfaisant. Et donc, on va terminer avant donc de passer sur la grosse île d'histoire hein, à continuer. On va juste faire les petites recherches. Regardez. Hop. Puisque normalement, j'ai fait fondre. D'ailleurs, je vais remettre d'autres choses à fondre ici. Hop. Voilà. Ça va pouvoir faire aussi des flèches de métal en même temps. Ce serait assez cool. On en fera pour qu'il y aura aussi. Comme ça, ce sera sympa. On va ranger un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Alors, je veux faire... Donc en fait, j'ai fait les recherches déjà. Donc maintenant, je voulais faire les bouteilles. Les jumelles, honnêtement... Non, pas de jumelles. Pas de jumelles pour le moment, je pense. Par contre... Les bouteilles, il va m'en falloir deux supplémentaires. Donc vous voyez que ça va me coûter bon, du plastique aussi, mais bon, on en a bien sûr. Et vous voyez qu'au final, si on fait le calcul en termes d'algues et de substances visqueuses que ça va coûter, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ici, il faut une bouteille, donc ça fait déjà 4 substances visqueuses. Il faut doubler, puisqu'il faudra le faire aussi pour qu'il y aura. Donc on est déjà à 8 substances visqueuses. Déjà, il faut le faire fondre, tout ça, ok, ça fait 8 algues. Bon, les algues, ça se forme assez facilement, mais... regardez. Donc la bouteille, il nous faut encore 5 substances, pardon. Donc on est déjà à 18 hein, pour les deux bouteilles. On est déjà à 18, il me faut des cordes, on en a, y a pas de problème. Donc 1, 2, voilà, on a les deux d'avance. Donc déjà vous avez vu, c'est 18. Plus ici, vous rajoutez encore 10. Donc ça fait 28 algues en tout. Non, pire. 28 algues plus 12. En fait, on est à 40. Il nous faut 40 algues en tout pour faire... vous avez vu l'équipement de plongée. 40 algues, mine de rien, sachant qu'il y en a les 3 quarts qu'il faut fondre. Mine de rien, c'est quand même assez coûteux. Hein. Sachant que, encore une fois, bon, la dura, je ne cesserai de le répéter. J'ai pas assez. Ah non, il me manque juste... Ah, ça, c'est dommage. Il me manque la petite... Hop. La petite substance, on va en remettre un petit peu d'avance. Comme ça, ce sera fait. Et là, voilà. Donc là, on va les mettre ici en rab. Pareil, il y a des gens qui ont remarqué qu'on avait des plans et qu'on n'a pas utilisé. En fait, les plans, à partir du moment où on les a eus dans la main, il nous suffit d'aller étudier dans la table de recherche et c'est utilisé. Donc finalement, ça sert à rien de les garder, logiquement. Mais dans le doute, c'est vrai que je suis le genre un petit peu parano à me dire « On sait jamais, il vaut mieux garder les choses et ça se trouve, plus tard, il y aura une utilisation. » Donc bon, de toute façon, ça prend pas... Enfin, ça prend un petit peu de place, mais on a des coffres, donc c'est pas gênant. Mais voilà, normalement on les a utilisés, donc rassurez-vous pour ceux qui, hein, qui se posaient la question. Là on va juste attendre que l'une d'ici fonde. Moi je veux refaire des flèches et je crois que là on va être quasi bon. Hein. Attention de ne pas faire le boulet ce coup-ci, les flèches ici. Alors je vais pas refaire ma lance pour le moment parce que je crois que dans la prochaine île où on va aller, on va pouvoir débloquer. Ah, remarque, j'aurais peut-être besoin d'une lance d'ici là. On va pouvoir débloquer la machette également. Donc ça va être assez cool. Et là, je crois qu'on s'est pris une île. Il va peut-être falloir que je nous fasse bouger. Il va peut-être falloir bouger un petit peu. Mais voilà, en tout cas, au niveau des préparations, je pense qu'on est bien. La machette, j'ai très hâte aussi de la tester. Parce que je m'en souviens plus du tout. Alors, je sais qu'on va la voir plus tard, mais dans la prochaine île, normalement. Mais je m'en souviens plus trop. Voilà. Donc ça y est, ça c'est terminé. Donc on a dit, on finit sur des flèches. Alors, on va voir, qu'est-ce que ça coûte les flèches déjà. On a dit... Un lingot de métal et voilà des plumes, des planches. Bon, vous avez vu, les planches c'est bien remonté, donc là ça va permettre d'utiliser un petit peu les moteurs aussi d'ici qu'on ait le biocarburant. Donc tac, je pense que je vais me faire allez, deux trucs de flèches en métal. Après avec les plumes, en fait c'est plus les plumes qui va manquer, encore qu'on va pouvoir en réavoir assez facilement en les farmant parce qu'on les farme juste pas assez. Mais allez, je pense que je vais en faire 3. On en fera 2 à qui ira et 3 dès qu'il y aura juste un peu plus de plumes. Je vais juste refaire fondre du métal, de toute façon j'en ai farmé quand même une bonne quantité, donc on peut se permettre en réalité un petit plaisir quand même. Voilà. En même temps, tiens, je vais en remettre à fondre. Hop, comme ça, ça bombarde. Et du coup, on termine sur ce que j'ai dit. Ah non, je voulais même une bouteille de plus, donc ouais, c'est encore pire que ça, on va voir. On va faire des palmes... Tac, ouais, il va me manquer pour une bouteille. Ok. Donc là, en tout cas, on a les deux palmes et tout. Donc quand on aura besoin, ça c'est fait. Et ouais, je voulais refaire juste une bouteille parce que comme ça, vous savez, quand on boit, on peut...
On peut directement re-remplir. Parce que là, sinon, une fois qu'on a bu... Une fois qu'on a bu, là, imaginez. Là, regardez. Hop, je prends un peu d'eau. Je bois. D'accord, je me mets full. Et le truc, c'est que là, il faut re-remplir parce que sinon, c'est bah, c'est du gâchis. Tant qu'on n'est pas là, il vaut mieux que ça se remplisse. Donc là, ok. Mais du coup, le problème, c'est que j'aimerais bien aussi avoir une bouteille d'eau pleine ensuite pour l'expédition. Donc, c'est là où ce serait intéressant de... Enfin, c'est quoi que j'avais là? Là, il y a un slot libre. Ah, c'était la bouteille. C'est là où ce serait intéressant ouais, d'avoir une bouteille supplémentaire également. Donc, je vais en refaire fondre, je pense. Et ouais, juste dernière chose que je voulais faire. Bah tiens, tant qu'on est ensemble, les amis. Ça aurait duré plus, plus que 10 minutes, du coup, le début. Mais bon, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Ah, bah tiens, c'est des substances visqueuses aussi. Boulons. Boulons, on en a d'avance en plus, parce qu'on loot des fois des boulons en direct ou des charnières ou quoi. Donc ça, c'est très très cool à utiliser. Et voilà, on va faire un filet qui nous servira également pour la prochaine île, justement, pour récupérer les abeilles. Donc là, normalement, on est prêt. Hein. Là, on est prêt, les amis. Je vous dis, je vais faire une bouteille de plus. Peut-être me refaire une lance, parce que ça va, on commence à avoir un peu de métal. Mais après, on est prêt. Alors, voyons voir. On est où, sinon, au niveau des îles? Parce que là, je conduis pas du tout. Je ne pilote pas. Le vent a tourné. Le vent a dû tourner, parce que normalement, j'avais suivi le vent. Ouais. On va suivre là, comme ça on aura des ressources. Et puis voilà. Eh bien écoutez, ici aussi, je ne sais plus si j'ai montré, mais j'ai élargi à l'arrière. Normalement, j'avais mis que 2 de large pour sécuriser les moteurs. Là, j'ai mis 3 de large au cas où on ne serait pas là pendant une expédition ou quoi, et que le requin ferait un tout droit sur nos moteurs, ce qui serait vraiment pas de chance. Mais normalement, je ne crois pas qu'il fasse hein, de toute manière. Mais bon, au cas où, j'ai mis une sécurité supplémentaire. Et là, vous avez vu, j'ai également élargi, parce que normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'arrêtait à peu près vers là, nos récupérateurs. Donc là, ça élargit aussi un petit peu. Du coup, on est pas mal. Voilà, mais écoutez, dans la suite de la vidéo, on passe donc avec Kilira sur la prochaine grosse île. Et qui va être... Alors, pour pas dire de bêtises... Voilà, Balboa Island, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est bon, t'es dessus. Sachant que... Je suis encore en chargement, là. Il y a un beau lever de soleil, là-bas, là. Ah, c'est bon. C'est trop stylé, t'as vu? Voir? Ah oui, c'est beau. Et derrière, il y a l'île, hein, si jamais, regarde, on arrive. Avec non les mais petits moteurs. T'as vu à quelle vitesse on avance quand même, ça va hein. Mais ouais c'est très propre même. Alors sachant que le radeau, pour info, j'ai compté, on est un petit peu en dessous des 400 fondations, sachant qu'on peut aller jusqu'à 400 en tout, donc faut qu'on arrête de faire des fondas quoi. Ok. Ouais, par contre je sais pas où il faut qu'on aille là pour rentrer. Ah à gauche, non, ça fait pas comme une entrée, ou à droite. Non mais ça fait attends. Plusieurs îles en fait. Faut que j'inverse du coup. Ouais. Ouais c'était bien ouais, le truc que je faisais au ça. Début. Comme ça, non? Ouais. Ah, ou enfin, ça dépend si vous voulez aller à l'entrée. Oui, de toute façon, non, mais. Du coup, c'est pas pratique parce qu'on est un peu à l'envers là pour le truc. Ah, oui, c'est vrai, ça, on aurait dû mettre dans l'autre sens. Sachant pour info que regarde comment ils sont chargés là, les moteurs. Ils sont tous full. C'est-à-dire que juste en utilisant ah, que ouais. les moteurs, j'ai récupéré plus de bois que je n'en consommais. Donc en fait, même si on n'a pas encore le carbu, le nouveau, il fallait peut-être que je ouais. rentre en vrai, t'as peut-être raison. Je me tâte, je vais faire le... Vas-y, je vais te full tourner, je vais rentrer. Je m'en souviens plus du tout. Mais c'est vrai que ça fait longtemps, mais... volant dans l'autre sens, hein. Ouais, non, pas. Je suis tombé dans l'eau, la neuneu. Fais gaffe parce que ça va vite, hein. Tu le rattrapes pas si t'es derrière. Hein. C'est bon? C'est bon, ouais. Ouais, non, on va essayer de rentrer là-bas dedans. Mais ouais, non, du coup, on récupère plus de bois avec le nécessaire, donc c'est trop cool, sachant qu'on a même du bois en rab dans les stockages. On a pas mal de ressources stockées. Je sais plus si j'avais montré le hamac, d'ailleurs, en vidéo. J'avais montré le lit. Au pire, il y a la Mac là. Et sachant que j'ai aussi fermé pas mal de nourriture d'avance si tu as besoin, que j'ai fait cuire déjà. Non mais attends, c'est incroyable, tu as tout préparé. Ouais, bah, c'était le but, c'est de préparer un max de choses. Dans un moment, on est juste trop bien. Et okay. Bah là, je vais penser à prendre le filet à la limite parce que c'est ici où on en aura besoin logiquement. Donc je vais le prendre sur moi. Voilà, ça, on va laisser là. Le truc d'avance. Essayer de rentrer. Du coup, c'est comme ça, si j'ai pas de bêtises. Ah non, c'est l'inverse. Pire, c'est pas grave. On va juste inverser les moteurs pour rentrer. Comme ça, je serai dans le bon sens. Ce sera même plus simple pour manœuvrer. Vas-y, tu peux m'inverser ah, tous oui. les moteurs. Ah, j'inverse là. Ouais. Allez, c'est parti. C'est bon, le moment. J'en fais deux ici. Ah, vas-y, c'est bon. Changer la direction. C'est bon, j'ai fait les trois autres. Ah ouais, bon bah attends, bon, c'est le temps que je comprenne. Hein. Oui, mais je vous doutais que t'avais pas de soucis. Les moteurs à moi, ils sont moins rapides que les tiens. Ok, t'inquiète. Ah, mais ça doit être là, là, il y a un petit. Tu vois, ça fait une entrée. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'on va y aller là. Le bateau passera pas. Ah ouais, tu penses? Ah, je pense pas.
Ah oui, non. Ça passe pas du tout. Ah bah je pense, vas-y avance, mais je pense que ça passera pas. Ah avancez, j'avance. Ah non, ça passera pas. Ah oui, d'accord. Attends, je coupe pour voir ou... Ouais, oui, oui, coupe, coupe. Je pense, c'est même sûr, il ne passera pas tout court. Ah, attends, parce que l'entrée est peut-être pas ici, vraiment, alors. Ça me paraît bizarre de devoir faire autant... On va le tenter, quand même. On va mettre l'encre, on va y aller à la nage, hein, c'est pas grave. Hop, jeter l'encre. Alors, vas-y, on se met bien et... Ouais, on prend à boire et tout. Il aurait fallu une autre bouteille à craft. Il y en a une, je t'ai dit, il y en a une dans les outils. Oh. Dans le truc outil, il y a une bouteille en plus, donc si tu veux, bah, je te laisse garder celle-là pour remplir. Ouais. Moi, j'ai des poissons d'avance, si jamais. Donc, prends-en d'avance, là, dans ce qui est cuit. Ok. Ça, c'est bon. Je vais prendre la bouteille pour remplir. Vas-y, bah, moi, du coup, je vais juste boire. Je te laisserai remplir. Ouais. Je pense qu'il y a une autre entrée, mais... Non, mais dans tous les cas, si, je pense qu'on peut faire, hein, mais... Là, ça a l'air de monter, donc c'est bon. T'inquiète. Allez, eh ben, écoute... Je vais te laisser explorer un peu. Je me souviens pas vraiment, parce qu'encore une fois, ça fait... La fois que tu m'as laissé explorer, ça s'est pas bien passé, quand même. Non, mais ça fait plus d'un an que j'ai pas fait, donc sincèrement, même si j'ai déjà fait, je m'en souviens pas super bien, mais... Je sais un peu ce qu'il y a dans l'île, quand même, quelques trucs. Donc, Déjà, ours, hein, c'est écrit. Hein. Oui, il y a des baies sauvages à récupérer. Ouais, il y avait des baies, j'avais vu. Là, t'en as. Alors, on a a priori plusieurs chemins déjà. Il y a une petite montée avec un grillage abîmé, du coup, je vais passer par là. On commence à avoir une île déjà assez grande, hein, ça y est. Hein, donc, oh, regarde là-bas, il y a une antenne et tout. Ouais. Alors, moi, je te propose, on va de toute façon courir au spot. En gros, on s'arrête pas pour gagner du temps, on fout le cours. Ok. Donc je te suis, mais on prend une décision. En fait, bon, concrètement, sans spoil, hein, mais il y aura différents endroits où aller de toute manière, donc bah faut y aller, quoi, et puis ensuite on enchaînera. Mais il y a tellement de chemins. Je sais plus s'il y avait un ordre ou pas, et ben s'il y en a un, de toute façon, on découvrira. Alors, relais station 4, 6 ou Ranger Station, relais station. Et ben on va aller à la 6, c'est parti. Là, il y a notre panneau, on va s'y diriger. Comme ça, j'essaie de m'en souvenir. Ah, il y a de nouveau. Ah bah ça va, on est pas trop perdu avec les panneaux. Oh, il y a un ours. Ok. Il est bien gras. Attends, je me demande si c'est. Ah ouais, bah ouais, c'est là. Bah, autant. Ah, je sais pas si on pouvait commencer par là ou s'il y avait pas un truc à faire entre temps. Je sais plus. Parce que là, en gros, t'as l'ours. D'accord. Qui te vient dessus, vient en hauteur, voilà. Je peux lui mettre des flèches. Il monte. Fais gaffe, il va te mettre masse dégâts, donc cours et mets-toi ailleurs. Je vais essayer d'aller dans sa grotte parce que je veux voir s'il n'y a pas du loot. Il y a de la terre déjà. Des champis. Mais c'était si grand que ça. What? Allez, j'ai fait le tour. Hein. Il y a de la terre, il y a beaucoup de terre en fait à récupérer. Donc il y a que ça, donc en fait c'est en tuant l'ours où on a quelque chose ou... Parce que je me souviens d'un truc en fait, je vais quand même aller checker. Pour moi il y a autre chose qui est autour de là. Ça va toi? Ouais. Okay, tu mets des flèches. Il est où? Bah il est mort? Non, si. Bah il bouge plus. Ah ok, je sais pourquoi. Vas-y, reprends tes flèches. Je te laisse le looter du coup, comme ça tu reprendras tes flèches. Ok. Ah tu l'as arraché en vrai? Bah ouais, je suis étonné. Ok, en fait, c'est parce que je... Il y a des pas ours. Le bon ours. Ouais, il y a des ours, mais il y a plusieurs ours différents, je crois. Mais du coup, cette grotte, il y a surtout de la terre. Ah, est-ce que tu veux récupérer la terre? T'as ta pelle, toi? Ouais. Ah, t'as un truc d'ours, une tête d'ours? Graou, j'étais sûr. Ça donne quoi? Franchement, c'est stylé, ça va. T'y vois à travers ou ça fait un truc... Non, ça fait rien, je vois normal. Okay. Va prendre la terre, ouais, dedans. On va essayer d'accélérer un peu parce que tu sais qu'on va vite mourir de faim et tout, ça passe très vite. J'ai pas la pelle. Comment ça, t'as pas la pelle? Alors, à moins qu'elle a cassé l'épisode précédent, mais j'ai pas la pelle. Ah mince. Parce qu'il y avait de la terre pour les plantes et tout, c'est pas grave. De toute façon, on fera sûrement un aller-retour au radeau. Okay. Mais ouais, du coup, ça aurait été bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de terre là-dedans. Je pense que c'est un des meilleurs spots qu'on aura. Par contre, ouais, on peut récupérer la scie de Bruno. Ouais. Ah. Bobby, on a eu la scie de Bruno. Trépassing. Ok. Ok, bon, vas-y, on bouge. Hein. Ouais, retournons donc au panneau. Alors oui, le 6, tu avais dit? Oui, à gauche. Donc ouais, c'est là-bas, c'est ça. Allez, allons-y.
Let's go le relais 6. Je vais essayer de manger aussi quand je commence à avoir vraiment faim, parce qu'on m'a fait remarquer que ça montait plus vite la nourriture quand tu as vraiment faim. Donc de pas manger quand il te reste peu, ça économise un peu la nourriture. Ok. Mais j'ai l'impression que ça marche, ouais, effectivement. Donc relais 6 à gauche. Par là. Oh, lui, je voulais le capturer par contre. On en a besoin pour faire. Tu le gardes, il veut finir comme Marty. Ah, mais j'ai pas ce qu'il faut. C'est pas grave. Quand on reviendra, vas-y, continue au relais. On reviendra au radeau. Au bout d'un moment, on sera obligé pour les provisions de toute manière, même si on va faire un bon chemin. Mm-hmm. Oh, ça, je veux le miel à droite par contre. Putain, c'est quoi ce bordel, ouais. Ah, il me faut ça pour le miel, c'est je pense. C'est trop marrant avec ton épuisette. Ah, je fais quoi je... Attends, là, il y a un truc. Maintenir pour prendre rayon de miel. Je le pique, hein. Vas-y. Hop là. J'ai piqué, c'est bon, j'ai pris 3 rayons de miel. J'ai là, eu 5 pots. J'ai eu 5 pots d'abeilles, moi. What the fuck. C'est bon, il n'y a plus rien, je crois. Ouais, ça marche. J'aimerais bien juste choper ces abeilles-là. Alors, vas-y. Tu te souviendras à peu près où c'était, par contre, le... que ce oui, soit l'ours... Oui, c'est le 6, station 6. Ouais, mais c'est le chemin pour y aller, ouais, j'avoue. L'ours, c'est la caverne, en fait. C'est trop dur. Ah, c'est bon, je les ai eus. Ah, c'est bon, j'en ai 10, j'ai 10 pots de miel. Enfin, d'abeilles. Oh, des pots. Oui, ce sera pour faire justement le miel, je vais en étudier un, et après ça nous permettra de faire une ruche et d'avoir du miel nous-mêmes. Pour la station 6, dis donc. En gros, le lama a récupéré, du coup après, quand on rentre au radeau, on prendra ce qu'il faut. Ouais. Et parce que lui, c'est lui qui va nous donner, c'est quoi, de la laine, pour qu'on puisse faire justement les sacs à dos et ce genre de choses, et les armures. Oh. Avec le cuir aussi. T'as dû avoir du cuir, non, sur le ouais, j'en ai eu, ouais. J'en ai 4. Ok, bah trop bien. Top. Il y a un autre course à droite d'ailleurs. On va à la station 6 direct, non? Est-ce qu'on va vérifier si c'est le même ou on récupère le cuir, si hein, à la limite? On fera toujours du cuir dessus s'il est simple à tuer. Je fous des flèches, hein, c'est bon. Ouais. Par contre, comment on change des flèches qu'on utilise sur le jeu? Je sais pas trop. Mais c'est pas possible. Ouais, j'essaye comme d'habitude de glitcher un peu le truc. Ah oh bah du coup ma flèche elle est partie dans le mauvais sens. Oh ouais. Bah du coup il fait des allers-retours. J'ai moyen de le gérer à l'avance hein, si jamais. Ah bah vas-y. C'est bon. Oh bah tiens, nickel. Vas-y, je te laisse le déplacer de toute façon. Ouais. Ouais, c'est juste que j'essaie d'économiser un max s'il y a moyen de glitcher. Ouais, t'as raison. On connaît quoi les jeux de survie. Les hauteurs. Ouais, station 6 c'est parti. Ouais, je te rejoins, je vérifie juste qu'il y avait rien de ce côté si j'arrive. Oui, t'as raison. Mais ouais, du coup, ça et la pelle, quoi. Pelle et lame à prendre, hein. Vraiment, ça... Très important, les deux. Ah, il y a une grotte. Oh, elle est pleine de lierre. Il y a des trucs dedans. Je sais pas, on dirait que c'est fermé. Ah, il faut couper avec une... Il y a un logo de machette ou je sais pas trop. Ah, ouais. C'est ça, c'est une machette qu'il va falloir débloquer sur l'île et qu'on va pouvoir utiliser ici, apparemment. Donc, c'est la station 6. Oh, mais ça aussi, il faut se souvenir où c'est. Station 6. Fait beaucoup de choses, hein. Déjà. Mais là, attends, du coup, on a fini la zone ou pas? Mais attends, mais la station, elle est où? Parce qu'en fait... Bah ah, mais en fait, la station 6, c'est derrière, il faut y aller avec le... en cassant oui, le... Oui, je pense, en fait. Hein. Ouais, donc là, c'est mort, je pense, effectivement. Donc, station 6, j'ai bien choisi mon chiffre, quoi. Non, c'est pas grave, on sait, maintenant. On sait. Ah, vas-y, je te refollow pour y aller. Ok. On va revenir... Sachant que les plantations, justement, on pourra les arroser plus tard, mais comme je t'avais dit, ce serait bien d'avoir les chargeurs de batterie pour ça, et ce sera que sur l'île suivante encore, pour éviter de gaspiller trop de ressources. Et encore, je crois qu'il y a autre chose aussi à utiliser. Attends, il y a des abeilles, je vais quand même les prendre. Ah bah vas-y. Donc on est là, de toute façon, je fais le plein. Il y a du miel là, à récupérer. Ouais, voilà. Toc. T'en as là aussi. Ouais, je le récupère. Non, je peux le prendre. Vas-y. C'est juste pour stacker de base, mais vu que j'ai rien de toute façon. Ok, nice, déjà, c'est cool. Bah, en vrai, ça, c'est le relais 4, il est juste à côté, ouais. Donc, on va continuer d'y aller. Hein. Des pierres. Ça, ouais, des pierres. Bon, on peut prendre ça. Ah, là, il y a un truc, regarde. Ouais. Ah, bah oui, mais comment on baisse le pont? Est-ce que ça marche à l'arc? Ah, ce serait incroyable. Oh, franchement, ça serait fou si tu fais un truc comme ça. Sinon, il y a quoi d'autre qu'on peut faire? Eh ben, le Ranger Station, non? Ah oui, ça peut peut-être s'ouvrir de la Ranger. Mais du coup, passer pas. De l'autre côté et après. Je teste une flèche pour voir. Vas-y, ça serait fou. Par contre, attends, j'ai peur de tirer une flèche de métal. Attends, je vais les balancer derrière, mes flèches de métal. Oh! Non, mais je me suis pris en pleine gueule. Hein. Ah oui, t'as pris des dégâts ou pas? Non.
Ah mais t'as trop géré. En vrai je voyais pas autre chose hein, surtout. Bah moi je pensais qu'il fallait faire demi-tour du coup, aller trouver une autre zone. Honnêtement je m'en souvenais pas forcément mais... C'est incroyable. C'est le seul truc logique. Ah ça dire. C'est la séquence un petit peu où t'as envie de vomir. Ah, les oui. Escaliers là. Il y avait rien en bas d'ailleurs, j'ai pas... Écoute j'ai rien vu là. Hein. Je crois pas. Hein. Là on a la station 4, c'est écrit station 4, je t'attends. Attends, y a pas des trucs là-dessus, non. Je crois qu'on y voit rien. Ouais, j'ai fait le tour, y a rien. Alors, oh bah viens. C'est assez sombre. Là, j'ai appuyé sur utiliser déjà. Ah bah voilà, bah tuyau à carburant. Donc ça, c'est un plan. En vrai, ils appellent ça oh. Tuyau à carburant. Ah si, c'est vraiment un tuyau à carburant. Je croyais que c'était les pipes les... pour tout. Les stations. The kids are fighting. Oh là, un marteau. Attends, t'as activé ici? Ouais, ouais, là, regarde, j'ai appuyé là. D'accord, donc c'est pour ça qu'on a un sur 3 d'activé ouais. En relais. Okay. Donc ça, c'est le 4. C'est le combien ouais. Le 4. 4. Viens. Oh, y'a un petit chat. Tu crois qu'on peut le... Sur le meuble. On peut pas le récupérer. Ça aurait été trop bien. On l'aurait volé, nous. Il va y avoir quelqu'un, je vais voir flou. Je veux crier. Bah écoute... Attends, tu vas me dire qu'ici, y'a rien. Bah après, dis-toi, t'as bah, les 3 relais plus... plus la Ranger Station... Station, oui. Même. Y'aura des trucs. Là, on a déjà eu un plan. Il y a peut-être un truc en bas, on va quand même vérifier. Mais sinon, bah go, on va voir la Ranger ou l'autre relais, lequel est le plus proche. Ouais. J'arrive, je descends. Ah mais t'es descendu bien plus vite que moi, toi. Je cours. Hop, moi j'ai sauté. C'est ah. Rapide aussi. Ouais, ça va plus vite. Ah, j'ai pas l'impression non, qu'il bah y ait grand-chose là... de ce côté. Hein. Non, non, y a rien pour moi. Vas-y, bah on continue. Y'a pas quoi l'ours hein. Viens, y'a un rocher. Viens, viens sur le rocher. Attends, il t'a pas touché? Non. Ah, il m'a collé. Il fallait que je le dise pour qu'il m'en colline. Ah, y'a moyen, je pense, de gérer son pattern, ouais, j'avoue. En fait, oui. Ouais, GG. En fait, vu qu'il tourne, ouais. Ça va quoi. Franchement, on doit avoir pas mal de cuir. Non, j'ai pas eu de viande, moi. T'en as eu, toi? Ok, moi j'ai eu, ouais. Oh là, y'a quelque chose. Ouais. Henry Stuff. Keep out. Bah, il s'est fait dépouiller, le Henry, hein. Ouais, on peut rien looter. Ok, non, on peut rien looter. On va continuer de monter, ça se trouve, c'est là-haut. Hein. T'as la Ranger ouais. Station. Ranger, les deux, ouais, let's go. Le jour se lève en plus, ça va être plus agréable. Ouais. Après, j'ai plus qu'un truc à boire, mais j'avais pas pu la remplir tout à l'heure aussi, donc. Ouais, il me reste encore, je crois, 2 lichettes. Et un poiscaille. Après, moi j'ai 3 gros poissons, il y en a un presque fini, mais je peux t'en filer un sur les deux, tu sais, après. Ok. T'inquiète. Ah, je m'en souviens de ça. Ouah, wow, c'est quoi ça? Oh, c'est un parcours là à gauche. Enregistrer le monde. Bah, tu me dis quoi, c'est enregistré? Ouais, c'est bon, attends, je fais deux fois. Parce que je suis parano. Vas-y, tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. T'es prêt? Et je crois qu'il faut pas que je te suive parce que ça descend des fois. Ah, oh, voilà, putain! Il y a un endroit où ça descend, ouais. Ah, mais c'est un attrape-con! Oh, c'est un attrape-con! Parce qu'une fois que tu t'es pris le truc, tu peux plus courir. Ouais, ouais, je vois. Ouais, je vais crever du coup. Non. Ah bah si. Et je crois me souvenir que moi j'avais fait tout le chemin, genre comme il fallait, et je crois que c'était Kelly qui avait réussi à glitcher le truc et à passer par ailleurs. Merde. Hein. Je crois que Kelly avait réussi à glitcher, et moi j'avais fait le chemin normal. Ouais. Ah ouais. On s'en a save, on va. Ah bah moi je pense que je vais glitcher le truc, hein, si c'est possible. T'as bien fait de sauvegarder. Attends, mais comment tu fais ton truc, là? Attends, mais c'est quoi ce kangourou? Tu veux dire que t'as réussi à me choper et tout? Mais bien sûr. Non, mais what the fuck? Par contre, c'est chiant pour toi, parce que... je fais quoi, moi? Ah, est-ce que tu moi, vois un peu, quand même, faire, ou pas du tout? Ouais, je vois que c'est sur ton dos, tu fais le kangourou, quoi. Attends, je vais essayer de te montrer ah, les oui, choses. Ah oui, mais je peux pas me relever, c'est vrai. Bah ouais, il me faut un lit. Ah ouais, non, mais vas-y, c'est pas grave, vas-y. Est-ce que tu vois un peu, là, ou pas? Ah, je vois le sol, quoi. Ah, je vois une chaise par terre. Ok. Ah, il me faut une ampoule. Ouais, en fait, il y a un petit mannequin à l'entrée. Il faut une ampoule. Parce que je pense qu'il lui manque la tête. Et je pense qu'en guise de tête, il lui faut l'ampoule, quoi.
Bref, petit mannequin avec une ampoule. Ok. Ok, là, on est dedans. Il y a un plan pour le raffineur, pardon, de biocarburant. Ce Ah. qui va nous permettre d'avoir du biocarburant, bah justement avec le miel, normalement. Je crois. On verra ça. Il y a beaucoup de plastique dedans à looter. Et il y a une note. Et peut-être. Ah, il y a, ouais, il y a ça. Ah, il y a des. Ok, nécessite une clé, Bruno. Mais on l'a? Mais c'est toi Ah qui bah l'as oui. ou quoi? Ah non, un marteau. Ah non, parce que c'est pas la clé, c'est le marteau On a qu'on le avait. Ok. marteau. On a la scie, le marteau. En fait, il y a un panneau, tu sais, de rangement à outils là. Et en fait, il Ouais. manque juste la clé de serrage de Bruno à mettre ici. Ça va nous débloquer quelque chose. Ok. Oh. On a déjà mis deux outils sur trois, en fait, qui sont Mais nécessaires. parce que là on est dans la zone de Rangers ou de Ouais, station de Ranger. route. Maintenant, je nous amène à la station qui est collée. Ok, non mais c'est très drôle ce qui se passe. Mon perso est en En train de mourir vrai, de faim, mais je crois que ça va rien faire du coup. sais pas. C'est très drôle. En vrai, il n'y a rien d'incroyable hein, de cette manière. C'est juste bah là, la station comme l'autre qu'on a été. Ok, je te lâche là. Tu vois un peu, peut-être. Il y a beaucoup de plastique. Oh, rien du tout. Vraiment. Mais vas-y. T'inquiète, t'inquiète. Ok. Je la balade tellement. Bon, je vais activer ce relais. 3 months ago, Une note, my du sister plastique. Astrid and Ça I ressemble were vraiment à in l'autre charge station à of the laquelle on a été. Hein. relocation on Balboa. They handled the bear population and kept the relay towers operational. The next shift was meant to start weeks back, but the Deux relais sur replacements trois, c'est never bon. showed up. Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared, so Pense that qu'on I'm est bon, not mais juste feeling il so faudra lonely revenir avec anymore. du coup l'autre outil ici. Oh bah t'inquiète, compte pas sur moi pour y retourner. Ouais, bah au pire j'irai seul, je ferai l'aller-retour. Hein. Par contre, donc il nous manque l'outil à trouver, la clé, un relais, et donc la machette à trouver. Donc en fait, bon, c'est Oui. le repère de maman ours quoi qu'il va falloir trouver. Je sais pas où il est. Et là, bah, on va rentrer de toute façon au radeau pour te réa et on va refaire les provisions. Je Est-ce récupère que... l'appel. Attends, je vais Enfin, regarder je vite craque fait l'appel peut-être. si on Hein. a un peu de chance et qu'il y a le radeau qui est en dessous de nous que je peux sauter. Je te balance en première pour être sûr. Non, c'est pas par là. Ce serait incroyable. Ce serait trop bien. Alors, t'es sur le lit et c'était trop drôle parce que. Vas-y, rallonge-toi Je pour suis voir. montée à fond, la bouffe et tout. C'est vrai? En fait, Ouais. là, t'es allongé dans le lit. Ah, il y a le requin qui mange. T'es allongé dans le lit vraiment avec la petite couette dessus et tout. C'est trop mignon. Oh, vas-y toi. Mais regarde. Pour voir. Oh, c'est trop. Oui, C'est trop choupi, c'est trop. Ah oui, j'avoue que c'est trop mimi. hein? Je sais pas si Bon. ça te régène, tiens, de faire ça. De te poser comme ça dans le lit. Régène, je sais pas. En vrai, si tu dors, peut-être, ouais. Sinon, je suis pas sûr. Attends, tu peux récupérer là, j'ai laissé des trucs. Parce que j'étais un peu fou. Où es-tu là? Devant, sur les. Voilà, T'as toutes laissé les. ça où? Ah, elle est Là, là? les. Ouais, Ok. tout ce qu'il y a là-dedans, ouais. Mais attends, parce que tant qu'on est là, je vais en profiter pour. Hop. Faire les Il a bouffé recherches, des donc. trucs, je De crois, dans le coffre, ça. je comprends pas. De ça. De ça. Et voilà, déjà c'est pas mal. Ah, mais là il y a ma pelle, mais elle est à moitié, elle est presque pétée. Qu'est-ce que je fais du coup? Bah écoute, fais-en une autre. Ouais, Fais une par autre pelle. sécurité. Moi je vais aller chercher ouais, les outils, hein. Tu fais bien de m'y faire penser. Argile, charnière. Charnière, ça va, on en a déjà de direct. Ah, j'ai bien fait de récupérer encore du miel parce qu'il y en a besoin de 15 pour une seule ruche. Alors je sais pas si on va Ouais. re-récupérer des pots d'abeilles sur la ruche elle-même. Je pense pas, je pense qu'on aura que des rayons de miel. Hein. Et il y a des planches aussi à récupérer. Ok, je vais essayer Je vais de. tout ranger. On a trop de. Tu veux pas transformer des feuilles de palmier en cordes là? Qu'on a un peu Ah plus de si tu place. veux. Même sur moi, tu sais que j'en ai, j'arrive même pas à les liquider parce qu'on en a tellement. En vrai, balance-en des. Enfin, en vrai, c'est du plastique, pareil, j'en ai trop. Il y a trop de Plastique, plastique c'est à l'heure pareil, actuelle. j'en ai aussi. Ouais, franchement, allez, je balance un. Hein. S'en fout. Il y a pas mal de steaks, je vais les foutre à cuire pour l'ours. Alors, la ruche, j'ai dit charnière argile. Bah tiens, bah plastique, j'aurais pu garder pour ça. Et une Oui, il y a la tête ruche. d'ours là-haut dans les skins. Si jamais ça t'intéresse.
J'ai pas compris. Là où. Dans la petite armoire, la tête d'ours, si tu l'avais en skin. Ah oui, non. Bah, en vrai, je me vois pas, de toute façon. Tu l'as mis où la ruche? La ruche? Ouais. Bah là, tu peux la mettre en dessous, non? L'étage inférieur. En dessous, carrément. Il y a rien. Ah ouais. Bah si, j'ai mis les plantations en fait pour. T'as mis les plantations. Mais... Ah oui, j'avais pas vu. Bah en fait, je voulais tester de les mettre dans un endroit fermé pour pas que les mouettes passent. Elles passent quand même encore, mais moins qu'avant, mais non, parce que c'est pas vraiment fermé quoi, mais bon. Ouais. Bah mais écoute, ouais, la ruche, je leur mets là-haut, si tu veux. Non, mais je peux la avec mettre. Je peux la mettre là, t'inquiète. Alors juste que je sais pas s'il faut faire quelque chose. Ah mais marrant. Oui. Ah mais oui, il y a un bail. Je crois me souvenir. Ce serait logique. Ah ouais. Je crois qu'il faut qu'on plante des fleurs à côté pour qu'elles aillent butiner. Pour faire du miel. Donc je pense qu'il va falloir qu'on plante. Bah après j'ai bien fait le mettre là hein, du coup, puisqu'on peut planter à côté à la limite. Donc faudra qu'on mette des fleurs à côté et ça ira butiner. Je te laisserai t'occuper de ça vu que t'es la gérante en chef des. Tout ce qui est fleurs. Des fleurs. Ok. Voilà. Par contre. Attends, je suis en train de ranger vite fait. Et j'aimerais bien voir pour faire aussi le. Un truc pour affiner, on va prendre une charnière, corde et planche. Et voilà, donc là, bah à la limite, je peux le mettre à côté, en dessous. Parce que ça va plus ou moins avec. Ça, on peut les bouger. Hop. Requiert des aliments crus. Ah non, bah ah, aliments crus, j'en ai, si tu veux, mais c'est de la viande, quoi. Mélange des aliments crus et du miel pour créer du biocarburant. Ok, j'allais dire, je me souvenais mal pour le miel. Non, non, il y a bien du miel aussi. C'est bon. D'ailleurs, les rayons de miel, je les mets où? Bah écoute, moi je les ai mis ici avec les trucs d'animaux. Ok. Pour l'instant. Tac. Et voilà. Bah écoute, on va se préparer, on va y retourner. Moi, je vais prendre ça pour le lama aussi. Ouais, je suis en train de préparer tout ça. Mettre le clou là. Ok, j'arrive au petit lama. T'enfuis pas, petit gars. Il va se coincer là, non? Oula, ça a vraiment marché ça? Ok, j'ai bien foiré mon lancer et ça a quand même marché, hein, mais c'est ok. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression de le louper, mais. Ah, ou à moins que j'ai juste vu la bonbonne tomber et qu'avec l'obscurité, j'ai pas fait gaffe que le filet y allait. Dans tous les cas, je l'ai eu. C'est la bonne nouvelle. Tant mieux. Et donc, cisaille. Ah ouais, faut faire des cisailles. Faut faire des cisailles pour avoir ce qu'il nous faut sur lui. Ok, je viens de rentrer avec. Donc normalement, ouais, là-haut... Oula, bien. Normalement, là-haut, il ne devrait pas retomber. Je l'espère, en tout cas. Oh, il est mignon. Donc, tu pourras le rename hein, si tu veux. Je vais tester les cisailles, moi. Oh. Je vais voir si ça marche. Hop. Alors, est-ce que ça marche de suite? Let's go, j'ai de la laine, ça y est. Trop bien. Après, bah, va falloir que ça repousse, hein. Je pense qu'on peut pas le couper 10 000 fois. Ouais. Dommage. Et donc, avec la laine, on va débloquer beaucoup de recherches. Et on va regarder les prix. Alors, on a donc le sac à dos, c'est à 6 de laine et 4 cuir. Ah oui, va falloir peut-être plusieurs lamas. Hein. Ou alors vraiment s'en occuper très souvent. Le casque. En vrai, l'armure, je sais pas si on va la faire dans le sens où la dura, j'ai peur que ça parte vite. Alors que le sac, je pense pas qu'il y ait de dura, logiquement. Donc, Mais ça va coûter cher si on veut faire deux armures. Hein. Franchement, le cuir et la laine. Hein. Alors qu'un sac chacun, bon, c'est la laine qui va être chiante, mais je pense que ce sera gérable. Mais apparemment ça rajoute quand même, je sais pas si c'est une ligne de slot ou... Je sais pas si c'est marqué. Ouais. Je sais pas. Ce serait utile. Bon, ça c'est cool déjà. Mais oui j'entends un bruit de vélo depuis tout à l'heure. Mais what? Utiliser? Vas-y. Hein? Ça a rien fait? T'as fait du vélo? Bah non. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh j'en reviens pas, y'a Martine. Putain. Quoi, y'a une chèvre? Ouais. Tu sais que j'ai lâché en attends, c'est pas ma bière, ça? Ouh,
Je sais pas où t'es. Je sais pas, il y a un ours vraiment bizarre là avec des poils. Il était pas comme ça l'autre. Non, si, c'est l'ours habituel. Oh, c'est le classique ça. Ouais, c'est le classique. Il va falloir le tuer. Hein. Ça, mais c'est la première fois qu'il met des gros gifs comme ça là. Stop en fait. Je remonte. Si j'y arrive. On aura le temps de le tuer. C'est bon, il est mort. Il y avait appuyé sur maintenir. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Maintenir pour prendre, il y a marqué. Mais non, mais par contre, là-haut, oui, il y avait bien un vélo, mais ça faisait un cling-cling. Mais après, j'ai appuyé dessus, j'ai rien pris. Hein. Donc, je sais pas. J'ai pas trop compris. Mais on était passé à côté, ouais, tout à l'heure. Ok. Alors, ça doit être elle, effectivement. Mais je me souviens qu'il y avait un truc devant. Il n'y avait pas une animation. Mais comment tu sais que c'est une meuf? Je sais pas. Comment tu sais que c'est une maman ours? C'est maman ours, quoi. Je sais plus, tout le monde l'appelait maman ours, donc... Mais elle est trop mimi, j'ai pas envie de lui faire du mal, moi. Parce que ça, c'était quoi? Nécessite 5 baies sauvages. Donc c'est ça, il nous faut des baies sauvages. Tu les as? Non, j'ai pas de baies. Tout à l'heure, t'avais récupéré des baies? Ouais, j'avais récupéré des baies tout à l'heure, je me suis fait la même réflexion, je les trouvais plus. Ah, mais est-ce qu'elles sont pas dans l'inventaire, t'sais, en mode... J'ai regardé, ils sont pas. Ouais, est-ce que c'est pas des outils, des objets de quête qui ne sont donc pas dans l'inventaire, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, qu'ils sont à utiliser, tu ne les vois pas dans l'inventaire, en fait, des objets de quête. D'accord. Ils s'utilisent que sur l'île, tu sais. Donc en fait, il faut qu'on trouve quand même des baies sauvages, donc on en a pas assez, a priori. Je sais pas comment on peut les voir, les objets de quête. Mais en fait, ça va l'attirer, c'est ça? Mais je crois que, ouais, il y a un truc avec elle, il faut ces baies sauvages. Par contre, il y a tellement d'ours ici. Ah oui, je te vois avec un ours. Des baies sauvages, parce que j'en avais chopé 3 à la base, des baies sauvages. T'en as eu 3? Oh. Bah au début, enfin les baies là, j'en ai chopé 3, mais je sais pas si c'était Ah c'était 3 d'un coup? Non, c'est j'ai 3 buissons. 3 buissons, ok. Ouais. Bah écoute, je les ramasserai moi au cas où. Je te laisse ramasser ça. Ça va aussi nous faire de la barbac, ça, c'est bien. Ouais ouais, par contre c'est trop cool, hein. On aura à manger au moins là-dessus et tout. Là je récupère le miel, mais ouais bah faut trouver des baies sauvages parce que... Je crois qu'on avait besoin de ça justement pour s'occuper d'elle. Hein. De toute manière, s'il y a cette animation, c'est qu'il faut le faire, donc on va le faire quoi. On va pas. Ok. Des petites baies. J'ai cru voir un truc en plus au loin. Je sais plus à quoi ça ressemblait. Ah si, baies sauvages, j'en ai 3 effectivement. Quand tu fais baies, ouais, ça t'ouvre le livre. Non, pas B, pardon. Merde, c'était quel pour le livre? T? Ouais, T. Et ben du coup, j'ai trouvé, ça me met 3 B sauvages. À droite, à gauche. Ah oui! Ah oui, et par... Ah non, c'est pas par zone, c'est en tout. Ok, c'est les objets qu'on a en plus, quoi, en fait. Et toi, t'as quoi? Ouais, pareil, 3 B sauvages. D'accord, donc il nous en manque 2. C'est bon. Très bien, ouais, ouais. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah écoute, on continue de fermer, on va chercher ça. En même temps, peut-être qu'on va tomber par hasard sur la clé qui nous manque. Et elle va nous débloquer. Ça se trouve, ce sera l'autre relais, hein, tout simplement, la clé, je sais pas. Quoi? Ah, j'en sais rien, mais bon. Par contre, je t'ai perdu, du coup. Bah moi, je suis monté, mais je vois où t'es. Ouais, je te vois, ok. Ouais, c'est bon, j'ai toutes les baies qui manquent. J'arrive. On en a même 6. J'arrive. Attends-moi, pour Maman Ours. Ouais, ouais, bah je reviens sur la montée où t'étais. Et okay. On va sur Maman Ours. Ok. Eh ben écoute, j'ai mis les baies. Hein. Ah ouais. Attends, parce que par contre. Aïe, ah ouais, je confirme, il fait très mal. Il y a des trucs non, par terre, c'est quoi qu'elle vienne. C'est quoi que t'as mis par terre? Je sais pas, Ah non, c'est la trophée là, la tête. Aïe, ok, un PV. Ok, je suis mort. Okay, t'es prête? Bah ouais, je suis prête, c'est parti. Hein. Maman ours. Ok. Normalement, hop. Ici ça va à gros. Normalement, vers ici, elle va désengage. Il va faire demi-tour. Ah, c'est ça. Ok, j'ai complètement raté ma flèche. Du coup, ouais, moi aussi. Ouais, bon, celle-là aussi, très bien. Ah, il faut réussir à la. Oh, attends, oh, laisse-moi tirer quand elle ouais, est vas-y, en haut vas-y. Comme ça. Et toi, tu tires vas-y, maintenant. Là, t'as juste à tirer un petit peu au-dessus d'elle et encore. Carrément sur elle. Ouais. Voilà. Et après, attends. Et je la réagro. Ça, tu gaspilles pas. Bon, bah, c'est bien, GG. J'ai réussi à la voir. Ok, par contre.
je croyais qu'elle me suivait. J'espère juste que par contre elle va pas... qu'elle revient, fais attention à toi. Mais j'espère ouais qu'elle perd pas. Qu'est-ce qu'elle fout là? Aïe, elle m'arrache. Ok, c'est bon. En fait c'est quand je pars pas assez tôt je pense, mais ce coup-ci je vais rester derrière. Bah mon ours, faut lâcher maintenant hein. J'ose pas parce que... les flèches dans ce jeu c'est quelque chose hein. T'as intérêt à y faire gaffe hein. Bon allez, tu vas tomber maintenant hein. C'est un porc qui pique. Raté. Ouais par contre la pauvre... mais c'est horrible hein, c'est hyper cruel. Mais il lui faut combien de flèches? Bah c'est un boss hein. Oui c'est vrai. Allez, maintenant, oh. Dodo. Ah, j'y ai cru. On peut courir en arrière, intéressant. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, mais toutes les flèches qu'elle a, j'avoue. On récupère sur elle, hein. Ah ouais, là... 158 flèches plus tard. C'est bon. J'avoue que niveau flèche, par contre... Non mais attends, là par contre... Oh! Ah bah ouais, heureusement, tiens. GG. Ouais. Franchement, là, c'était tendu. Des flèches! Des flèches! Oh, c'est tellement long de... Oh là là. De la viande, du cuir, de la viande, beaucoup de viande, beaucoup de cuir. Oh, beaucoup de flèches! Ça arrive, tant mieux, tant mieux. Et par contre... Spell qui nous donne le plan, là? Attends, parce que de base, elle est là-dedans, non? Elle dormait dans une petite grotte de base, ouais. Hein, on le rappelle. Ouais, voilà, il faut qu'on vienne là, je crois. Il y a quelque chose au fond. Y a ouais, il y a un plan, il y a un plan. Oh, il y a. T'as t'appelles au fait là ou pas? Ouais, j'ai m'appelle, vas-y, je vais. Ok. Je le fais. Il y a une caisse à récupérer. Ils me disent ce qu'elle contient. Ouais, c'est un peu long pour l'instant. Ouf. Ah oui. Ça contient quoi? Bah, pas mal de ressources en vrai. Ah ouais? Ouais. Il y a pas mal de ressources. Franchement, ça va. Biocarburant. J'avoue que j'ai tellement de cuir sur moi. Et on a bien le plan de la machette. Donc là, il va falloir revenir. Faut revenir au radeau. Ah oui, pour aller couper les lianes. Voilà, faire la machette. On se fait une machette chacun. Et ensuite, on va. Mais la tête d'ours. On va aux lianes. Ouais, t'as vu, je l'ai mis aussi. C'est vraiment une énorme tête. Mais stylé, hein. Ah oui, c'est très cool. Ok, bah retour radeau. Machette. Et ensuite, on fait le dernier relais. Et potentiellement, si on a la clé, on pourra terminer la zone avec la Ranger Station. Là, il faudra qu'on y retourne. Je crois que c'est là-bas. C'est moi qui disais, il vient pas là. Hein. Vraiment, c'est abusé que tu puisses vraiment dégringoler toute une paroi sans prendre de dégâts, quoi. Mais non, oui, mais grave. En vrai, toi, tu l'as fait comment? Parce que moi, j'ai mangé la paroi, du coup, j'étais quand même plus ou moins accroché à la paroi. Mais est-ce que toi, tu t'es lâché vraiment en mode dégâts? Non, moi, je l'ai longé. En fait, ça glissait, mais très lentement. Ouais, aussi. Tu vois? Ok. Donc, en fait, vu que je glissais méga lentement, j'étais en mode bon, ça va. Ouais, bah, moi, c'est pareil, j'ai longé toute la truc, du coup, on est redescendu un instant ici, quoi. Ça va trop vite. Pas mal. Ça évite de refaire tout le chemin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt agréable. Trop trop fort. Et alors, ça coûte quoi, la machette? Ça coûte 2 lingots de métal, 2 boulons. Les boulons, on en a un peu d'avance, je crois. Lingots de métal sont Nora, 2 cordes et 3 ferrailles. Ça va, c'est pas trop trop cher. On aura de quoi. C'est pas beaucoup plus cher qu'une lance, en fait. Hein. Ouais. Ouais, c'est un métal de plus, au final. Et normalement, ça fait un peu plus de dégâts. Et en plus, ça permet d'ouvrir du coup les accès là-bas. Donc, hein. Oh, ça, c'est trop bien. Bon, en fait, j'avais pas remarqué, je viens de voir en rangeant, mais je pense que c'est dans la caisse que j'ai ouvert. J'ai dû avoir une machette directement. Donc, en fait, j'en ai déjà une. Ah. Donc, il y en a qu'une à crafter au final. Ok. Ah, c'est ici. Hop. Donc, normalement. Oh, c'est trop stylé. Ouais, ça manque un peu de lumière par ici. Hein. D'accord, ça s'éclaire quand tu t'approches. Ouais. Oh là, on dirait un nid à araignée là. J'ai trop joué à Grand Dead moi. Bah écoute, je te préviens si j'envoie une. Ouais, bah je vais creuser moi, tiens. Ouais. Il y a une note ici. Miranda is following as always. What? Vous parlez bizarrement un mais peu, attends. Monsieur. Oui. Station 6. Ah non, j'allais dire, mais je la connais cette station, mais c'est juste qu'en fait elle a la même tête que l'autre, quoi. Oui. Et encore, t'as pas vu la deuxième. C'est un peu la même aussi. Hein.
C'est pour ça, Chi, t'as pas manqué grand chose hein, à ce niveau-là tout à l'heure. Ouais. Oh, they are hiding something. Did they figure out there's only space for two of them on the boat? Là voilà. La clé de serrage de Bruno, elle est là. Trop bien. La fameuse. Ouais. Il y a du plastique ici, je vais le récupérer. Il y a beaucoup de plastique. Et devine qui est là? Oh, j'arrive, il y a quelqu'un. Ah. Il va y avoir. Ah, Johnny. J'allais dire c'est Bruno, mais en fait, non, pas du tout. C'est Johnny. Oh, bonjour, Johnny. Et on a un plan. Oh, trop bien. Trop bien. Ça, en gros. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on va bientôt. Alors, il nous faudra juste des fleurs pour faire. Avec les fleurs, ouais, t'as bien fait. Avec les fleurs. Ça apparaît quelque chose là maintenant. Ouais, bah, appuie sur T. Ah, on a la prochaine zone. On a les prochaines coordonnées, Caravan Town. Ok, nice. En gros, là, on va. Dès qu'on aura les fleurs, on commencera à avoir du miel. Avec ce miel, plus des aliments, du coup, à balancer dans le truc là qu'on a fait, on va avoir du biocarburant. Ce biocarburant, on pourra le mettre dans ce qu'on vient de débloquer. Ah, je le vois pas parce que je l'ai pas encore étudié, mais c'est le bidon d'essence. Okay. Et en fait, ce bidon d'essence, on va le relier avec des tubes que je crois qu'on avait débloqué déjà. Faut que je vérifie. Ah, pas sûr. On n'a pas les tubes. Ah, peut-être qu'on va les avoir ici. Si, il me semble qu'on les a, les tubes. Bah si, les tubes de carburant, on les a en plus. Oui. Si, c'est sûr, on les a. Ouais, tubes à carburant, voilà. Les tuyaux à carburant, bah tu relis au bidon d'essence. Mm-hmm. Et tu relis ensuite au moteur directement, d'accord? Okay. Ce qui fait qu'en fait, on aura juste à remplir le bidon d'essence avec le biocarburant. Et ensuite, ça va alimenter automatiquement tous les moteurs ensuite, tu vois. Ah oui. Donc ça va être assez intéressant. On va parler à monsieur. Okay. Je pense que je vais prendre ce perso. Ni marrant. En vrai, je pense que je vais prendre ce perso, ouais. Après, je me verrai pas moi-même, c'est dommage, mais... Oui, moi je te verrai. Ouais. Les ours n'aiment pas les câlins. Alright, yeah. Vérifier qu'il y a rien d'autre en même temps. C'est nouveau personnage jouable, Johnny. Johnny. Je pense que je le changerai du coup. Donc là, logiquement, tout ce qui nous reste, et je sais plus ce que ça débloque d'ailleurs de faire ça. Oh, on peut monter là, je crois. Y a un intérêt ou pas? Ah ouais, il y a une caisse. Il y avait encore une charnière et tout, c'est cool. Ouais, tout ce qui nous reste ici, c'est la Ranger Station. Donc on va là-bas. Et normalement, je pense qu'on a terminé cette zone. Attention. Ça et ensuite, il nous en restera, je crois, plus que deux. Et on sera retourné au même niveau que jusque-là où j'avais fait la dernière fois pour ma part. Sachant qu'ils ont rajouté, je crois, une ou deux îles déjà que j'avais pas fait de mon côté. Plus la version finale après. Donc après, il y aura de la découverte. Juste. Attends, parce que là. C'est pour tourner aux lianes en fait. Ouais, je voulais juste voir si c'était de ce côté, j'aurais sauté hein, direct. C'est par là les lianes. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais tu sais, pour cut, j'ai pas de notion de. Parce que là-bas, il y a une. Il y a un truc. Attends, c'est pas celle du pont, on est d'accord? Non, c'est donc pas c'est celle d'autre. Viens, je pense que c'est là où je suis. Viens, tu me vois ou pas? J'arrive. Ouais. Parce qu'il y a une autre station et elle est juste à côté, on est d'accord? Donc ça doit être. Si je regarde en diagonale, t'as vu, on voit plus loin en diagonale, on voit pas le brouillard. Donc c'est celle-là là-bas, logiquement. Je pense que c'est à la droite. Ouais. Attends, je fais une save. Qu'on va retenter la glissade. Ah mais avec ton gros poisson là. Ah non, ce qui mange du poisson, non, c'est RP. Ouais, non mais j'ai vraiment l'impression. Alors je sais même pas s'il y a des dégâts de chute, mais bon, au pire des cas, on mais peut tellement claqué, s'accrocher. Il y a pas de. Oh. Pff, non mais. Il y a même pas de dégâts de chute. Je sais pas s'il y a des dégâts de chute ou pas. Je longe, mais. Ouais, voilà, donc c'est pas mal. Et là, on peut cut et on va direct tout droit. Non, c'est là-bas du coup. Let's go. Ah, ça a pas mal consommé la dura après avoir sur quand on tape des créatures, mais sur les lianes. Elle a déjà pris pas mal cher, je trouve, là. Mince. La machette. Et c'est ça, c'est par là-bas. Non, je crois bon, qu'il bah, genre bah si, il va falloir sauter. Hein. Oh putain. Oh là. Tu vas voir. Il y a un bon, saut où je me suis fait peur, mais c'est bon. Ouais, t'es où? Ouais, je suis cassé là. Attends, là, il y a les pics. Ouais, ok, laisse glitcher. Allez. On se rejoint après. Bah ouais, à tout à l'heure.
sais que moi je vais sauter en plus de l'autre côté, je reviens pas. Ah toi tu sautes et tout. Ah bah oui, parce que l'autre côté c'est plus rapide je crois pour rentrer. Mais je suis là, coucou. T'as réussi à passer en glitchant du coup? Ouais. Ouais, c'est là où j'avais essayé tout à l'heure. Ah mais j'ai fait The Forest LV2. Et voilà, et du coup viens voir, c'est ici, regarde. Mais c'est ici, tu n'en peux même d'air. Ah oui, l'ampoule, on l'a... Ah mais c'est peut-être lui qui va nous la donner alors. Justement, non? Note. Ouais, non, récupère une note. Quoi? Attends. J'ai fait tout ça pour une note. Mais du coup, l'ampoule... Attends, lis la note. Lis la note... Bah je sais pas, c'est laquelle? C'est la dernière là ou... Ah non. Oh, mais tu sais que j'avais même pas vu, mais regarde, il y avait une petite map. Ça? Ben, quand tu tournes la page sur le... Sur le... Quand t'appuies sur T, ben tu tournes la page, tu vas à page 15. Il y a une petite map. Oh! Mais oui. Bah franchement, ça nous a bien servi. Et du coup, père a pris sa décision depuis longtemps. Il part chercher notre tati Miranda. Vient avec nous, bien sûr. Papa made his mind up a long time ago. Voilà. Ok. C'était ça la note? C'est quoi la note qu'on a eue? Je suis pas sûr du tout. Non mais attends. On n'a pas l'air con avec notre histoire d'ampoule. Ouais, surtout qu'on est revenu là en mode... Bah... Attends, pas une clé ah, en on peut plus, monter là, j'avais pas vu. Ah bah voilà, il va y avoir le truc là-haut. Non pas du tout, mais j'ai une caisse avec un bouillon, une pastèque. J'avoue l'ampoule, on a manqué quelque part. Je sais plus si je l'avais. Et c'est quoi là le truc où tu peux monter juste à côté? Bah c'est la station. La station combien ça? Je sais plus, mais après j'ai pu oublier un truc dedans, ben, tu peux vérifier si Vas-y, tu veux. Je vais à la station 2 pour aller checker par sécurité, mais bon. Bon. Dans tous les cas, on a fini le principal, on peut partir, je pense, sans trop de problèmes, ouais. Mais... Bon déjà, le fait d'être revenu juste pour une note, je trouve ça... Je pensais qu'il y avait mieux. Et par contre, effectivement, cette ampoule, où est-ce qu'on l'a, quoi? Et à quoi ça sert, lui? Je ne sais plus. Je pense qu'on a eu le principal, mais ouais, malgré 2. Tout. T'as un petit jardin et tout. Bon, si jamais je regardais pour vérifier, et au final c'est juste pour un succès apparemment l'ampoule, donc c'est vraiment optionnel, on n'est pas obligé de le faire. Bon, vas-y, on s'en fout. Donc un peu la flemme de retourner chercher l'ampoule sur l'île pour, un... ouais, non, pour juste un succès personnellement. Bon, quoi. Donc ok, je préférais vérifier pour pas partir de l'île et, oui, bien et sûr. Oublier un truc important quoi. Non, bah écoute, go rentrer, et je pense que bah, ouais, ça va clôturer cette petite session sur Balboa. Cette ouais. première vraie île quoi. Elle était pas mal. Hein. Ouais, l'île en elle-même est pas mal. L'île est sympa en vrai. C'est pas forcément ma préférée par contre. Allez les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cet épisode qui j'espère vous aura plu. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt.